On est mal aimé, maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. J'fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon Mali, ça grille les feux rouges dans tout Paris. J'prends virage à gauche, j'prends virage à droite, mais j'ramène le produit. Le produit, il gauche complètement. Seconde, bouge pas. Ça va être parfait là. Tiens, vas-y, descends. Adam 62, on est en poursuite avec une voiture, une Buffalo verte, et une autre voiture qui nous suit. Il est où ton téléphone par hasard? Sur moi. Dis-moi où il est. Dans ma poche droite là. Super. Alors attends, je me permets de te le prendre. Merci beaucoup. Bigo. Super. Adam. Bigo. Vas-y, remonte sous l'axe. Bon, alors tu veux ton Bigo, c'est ça? Juste parce que vous êtes débile. Allez hop, hop, hop. Mais ouais, il a les radios. Bah oui. Et alors, je m'en vais laisser avec de sa radio. Il a son téléphone. Vous pouvez venir me chercher, sur. Bah, y'a pas de problème. Pas de problème, le téléphone est resté avec moi. Merde. Allez, Abdel, hop, hop, hop. Oh, oh, merde. Tu l'as touché? Tu l'as touché? Oui, je l'ai touché. Roule, roule. Ouais? Ok. Ok, roule. Vous voulez, ouais. Écoutez. Écoute Abdel, regarde-moi dans les yeux, Abdel. Abdel. Est-ce que vous me laissez lui parler tout seul 2 minutes, capitaine, s'il vous plaît? Vas-y, fais-toi plaisir. Écoute Abdel, tu vois lui, c'est mon capitaine. Fils de pute. Enfin voilà, ça veut dire tu vois lui, si jamais il m'en doit une, eh ben on est bien. Attends 10 secondes. Donc là, ce qui vient de se passer, tu dis rien, comme ça moi je peux le faire chanter. Adam 62, 10. Et t'es bien, après, ok? Ok. D'accord. Fils de pute. Ouais. Allez, bon courage. C'est bon, capitaine. Il dira rien, c'est bon, capitaine. Bah ouais. Vous savez pourquoi? Parce que j'établis le dialogue avec eux. Voilà pourquoi. Ah ouais, et tu lui as dit quoi? Mais je lui ai dit, écoute Abdel, on se connaît toi et moi, il a pas fait exprès, c'est bon, c'est pas grave, tu vois. Il m'a dit, ouais, j'avoue, ok, sous là que c'est pas grave. 102-17. Wow. Ouais. Pop. Aïe Zamir. Arrête, Eh, là, c'est bien! Franchement, tu penses avoir une chance? Là, c'est vrai, on a pas de chance avec lui. Mais il m'en bat les couilles. Eh, là, ma mère, attends, arrête-toi, continue à coacher. Arrête-toi! Oh là, c'est bien! Vas-y! Aïe! Aïe, sa mère! Mais attends, je t'ai touché! Monsieur, s'il te plaît, sors, j'ai pas envie de te faire mal. Monsieur! Hey Samir! Sors, s'il te plaît. Vite, sa grand-mère! À toi! Hey, radio, venez me chercher à l'unicorne! Vite! Y arrive! Reçu, j'arrive, pisto. Con, tu m'as dit, j'arrive. Je suis charlant, toi, la vie de ma mère. C'est moi avec la coach des Pouillos. T'es où? Quoi? T'es avec la coach? T'as dit quoi? Y'avait. Là-bas. Au fond. Alors, tu te prépares. Tu t'ouvres la porte, tu ralentis, tu lui mets un gros coup de taser. Oui, c'est bon. T'es prêt? C'est pas lui, hein? Si, c'est lui. Il en fait partie, quoi. Oui, il en fait partie. Allez, écoute-moi bien, arrête-toi maintenant. Il va Non, t'as pas là. Là, devant. C'est lui que je veux. Lui, je le veux. Il faut passer par les chemins où nous on peut pas passer. Tasse pas, Soulax. Ok. Non. Ralentis pas! Ah bah c'est mieux! Ah bah bravo, capitaine!
Non mais... Ah bah c'est, putain, c'est mieux ça. Ah bah oui c'est mieux. Forcément c'est mieux hein. Mais de toute façon il le méritait. Pas vous mentir. Écoute, appelez une ambulance. Déjà deux bavures en une soirée, ça va vite, capitaine. Hein, arrête, 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 arrête. Lâche, lâche, lâche ton taser, lâche ton taser, lâche ton taser. Tot, 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 tot. Capitaine, c'est la merde, c'est la merde, capitaine. T'arrives, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Capitaine, attention! Bouge pas, bouge pas! Bon, le courant, j'ai la létale! Là, j'ai un pistolet! J'ai un vrai pistolet! Putain, mais c'est pas possible, frère! Bon, non, allez, tiens! Ah, ça... Oh là! Stop! Stop! Bon. Qu'est-ce qu'il a, le Five-O? Je te plante, moi, je te mets un coup de lame! J'ai pas compris. On est sur le coup avec Soulax. On va voir la plaque, vas-y si tu sens que. Elle, c'est le même la plaque truc, elle est floutée sur le truc. D'envoyer Ulrich au Weasel News pour voir si vous pouvez l'interroger. Si vraiment c'est devant toi, tu pourrais t'interroger. Elle est à quelqu'un la voiture, hein. Essaye de voir, il est là-dedans. Il a marqué propriétaire JL Walid. Et qui ce bordel, ce putain de JL Walid? On va se le faire. T'es encore un pseudo pour passer anonyme. Est-ce que je suis censé dire le prénom? Non, normalement, non. On a le retour de la voiture. On a la Sultan, elle passe pas loin de la banque centrale. Robot vers le concessionnaire. Sultan vers le concessionnaire. Ouais, essaye de la poursuivre. Arrêtez-vous maintenant! Et j'ai l'autre voiture, faut venir, hein! J'ai l'autre voiture là, qui était sur le truc du journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je peux vous arrêter s'il vous plaît? Putain, dis-moi s'il vous plaît. Concessionnaire, concessionnaire, concessionnaire. Police, arrêtez-vous! Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté! Ouais, arrêtez-vous s'il vous plaît! Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Pouvez, ils sont où les autres là, s'il vous plaît, en radio? On arrive, on est à l'armerie. Il y a les collègues qui sont derrière. Descendez du véhicule. On vient vite. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous l'avez montré là? Non, vous l'avez pas. Mais je l'ai payé 10 000. Là, vous venez de me montrer que vous l'avez pas. Ah, si. Ah bon? Bah, ouais. C'est juste un problème de gestion alors. Parce que je l'ai passé, je l'ai même payé 10 000. Ok, ok. Je me renseigne. Si jamais c'est faux, on fait quoi? Bah, allez-y, appelez Abdel, le. Comment il s'appelle? Celui qui s'occupe justement de ça. Ouais. Et vous dites que Nabil Bourknouna. Et vous lui demandez. Moi, je l'ai payé. Je l'ai payé 10 000. Ok, c'est l'armurerie qui fait passer les permis de pardon. Oui. Eh ben, tu vas appeler ton collègue Abdel, moi je n'ai rien à foutre. Tu vas appeler ton collègue Abdel et tu vas lui demander qu'il te passe le papier. Moi, là, je te prends ton pistolet. On est d'accord? D'accord, mais par contre... Et tu... Enfin, tu le rendre, hein, ouais, tu viens au commissariat avec ton papier. Fait, hein. Tu viens au commissariat avec ton papier et tu récupères ton pistolet, on est d'accord? Ça marche, c'est pas de souci. Mais par contre, on fait comment? Parce que vous m'avez quand même rentré dedans alors que moi, je venais juste de sortir du concessionnaire. Ah, très bien, ok, très bien. Ulrich, t'es où? Je comprends pas là, je suis un peu perdu, il y a beaucoup de sirènes là. Je peux juste vous expliquer. Allez-y, je vous écoute. On était en délit 8 avec vous, certes, mais pourquoi? Parce qu'on suivait une voiture beige. Cette voiture, 5 minutes avant, nous a drive-by, elle nous a tiré dessus. En fait, le problème, c'est que j'ai des collègues, ils sont pas venus à temps. Moi, je devais vous arrêter à vous. Et mes collègues arrêtaient la voiture belge, on est d'accord? Ah merde, monsieur Soulac, ça va mon copain? Ah non, c'est pourquoi, moi là, Frédéric. Pourquoi, pourquoi nous aurait pas... Frédéric, on aurait dû faire une alliance, on le suit, on l'attrape, Frédéric. Après vous m'arrêtez à moi aussi. Ouais. Monsieur Frédéric, s'il vous plaît, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, et pourquoi au bout d'un moment, il y a un mec dans en slant noir qui est parti? Il m'a braqué avec une arme. C'était qui? C'était un homme de type noir, mais c'est tout ce que j'ai retenu. Il était masqué. C'était le troisième quoi.
Je sais pas si c'était le troisième ou le premier ou le deuxième. Je sais pas, c'était qui. Moi j'avais vu que. Ah, c'est Redouane Faïd. Ouais, c'était Redouane Faïd. C'était Redouane Faïd. Le plus grand recherché de la ville. Ok, vas-y, viens, Ulrich. Encore autre. C'est bien. C'est la guerre, hein, commandant, capitaine. C'est la guerre. Partout, c'est la guerre. Dis-moi, s'il vous plaît. J'ai entendu des coups de feu pas loin du quartier des Vagos. Ouais. Madame pour 66, l'appel de situation, s'il vous plaît. Je patrouille autour du quartier des Vagos et des Families en espérant trouver qui a tiré. Ok, il y a eu des coups de feu. Oui. Il est con, okay, quoi, lui. Ok, Dame Mathéa, on patrouille au niveau du au secteur de garde, ça va. Sinon, j'aurais pas dit qui a tiré, non, Ulrich? Ouais. Le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te parles, t'as des mythos. Tu racontes que des pipos. Envoie.